Azeli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Azeli libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo La... Non, non j'étais en bas. Ça va sinon, comment tu vas? Si, ça va. Dieu fait grâce, on est bien. Malgré le confinement, mais ça va. Ah, dis-moi maintenant, comment tu gères le confinement, Wata? Difficile à vivre parce que nous, on est habitué à vivre librement. À qui il n'y a pas. On n'a pas grandi avec tout ça. Les confinements, ce sont des nouveaux mots pour nous. Mais après. Oui. On fait avec. J'étais venu pour quelque chose de privé et quelque ouais. chose de studio. Bah, je suis condamné à rester ici, à rester ici jusqu'à la fin du confinement ou jusqu'à la fin peut-être, jusqu'à l'ouverture des frontières pour rentrer chez moi à Kim. Ouais. Pour ouais. rentrer à Paris. Pas de, pas de salon de coiffure, il n'y a rien. Non, mais je te comprends, parce que en tout cas, il y a vraiment confinement, mais tu m'as cassé, what? Pas de salon de coiffure, donc bloqué ici. Mais nous, on est habitués de te voir bien taillé, bien, tout est frais, là, mais là, je vois vraiment que toi, le confinement a frappé. Grave. Mais ben, après. On sait pas quoi faire, on fait avec, donc voilà. Ah, ok. Bon, voilà, Wata, on va se concentrer, parce que si tu commences à lire, on va être perdu. Dis-moi, si je commence à lire, on va être perdu. Donc, toi et moi, on dialogue. Moi, j'ai déjà mes questions, on répond, et puis on va voir, on va tirer peut-être de certaines personnes qui ont écrit des petites questions. Mais bon, c'est déjà un peu ce que j'ai dans la tête comme idée. Héritier Watanabe, ça fait un bail que tu fais ta carrière solo, tu le fais correctement. Je viens de voir Monsieur David Monceau aussi qui s'est connecté. Comment se passe cette carrière solo? Déjà, ça va, c'est pas facile, mais ça va. Dieu fait grâce. J'ai eu la chance de croiser Monsieur David Monceau que vous venez de citer. Et il a beaucoup apporté à ma carrière. Il a beaucoup apporté à ma carrière. Et j'avais déjà un peu d'expérience, vu que je sortais d'une grande école, au Wingé Musica Maison Mère, du formateur Wirasola. Et aujourd'hui, je suis à la préparation de mon second album. Et ça se passe bien, malgré les difficultés, il faut les reconnaître, il y a des difficultés. Ouais. Parce que plus on ne joue plus en Europe, plus il y a un peu de difficultés. Mais on dit l'habitude rend tout facile, ouais. Donc on est habitué aujourd'hui. On s'en sort pas. Ouais. En tout cas, bravo Wata pour cela. Wata, depuis que tu fais ta carrière solo, est-ce que, en quelques mots, si on doit le dire, tu as traversé aussi des moments difficiles comme tu viens de le dire. Si tu peux me dire un moment que vraiment, depuis que tu as commencé tout seul, que tu dis, ça vraiment, ça a été très dur. Aïe, aïe, aïe. Depuis que j'ai commencé ma carrière solo ou depuis que je suis artiste? Non, solo. Quand tu dis vraiment, oh, vraiment, ils n'ont vraiment pas si la carrière na, depuis que je suis tout seul. En tant que c'est toi le leader, c'est toi le chef du groupe et tout. C'est le début, la création de mon groupe, la préparation de mon premier album, aller à la signature du contrat avec M. David Monceau. C'était difficile. Pourquoi? Parce que je ne savais pas tout ça. Je n'avais pas la maîtrise. J'ai dû habituer à, je ne dirais pas à la facilité, mais à vivre dans un monde où moi, j'étais pas... j'avais un bouclier. Quand ça n'allait pas, j'avais une solution. La solution, c'était Wirasol. Quand ça n'allait pas. Il y a eu, je ne dirais pas une séparation, un départ, parce que... Ouais.
pour dire une séparation, pour moi, on devait être associé. On n'a jamais été associé avec personne. J'étais travailleur comme les autres travailleurs. Donc, quand j'ai quitté, moi, c'était un départ. Et j'arrivais pas à vivre ma nouvelle vie. La nouvelle vie était très difficile pour moi. Il faut que tu aies studio toi-même ou avec. Quand c'est Hakim, c'est moi qui gérais, ou peut-être M. Monceau. Il faut vivre avec les musiciens, il faut entretenir les musiciens, il faut s'entretenir soi-même aussi. D'un côté, il y a aussi la famille. Et c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Ouais. C'était très difficile. Ça tombait à un moment où j'avais des procès, des petits procès en France. Donc, c'était pas facile. Les débuts, c'était pas facile. Okay. Mais Dieu a fait grâce, on s'en est sorti. Et le m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris. Et je suis reconnaissant pour ça. Je suis reconnaissant pour ça. Ok. Wata, c'est vrai que ici, tu viens de citer, tu es passé par une très bonne école avec un très bon professeur, Yann Owelinga Mawerason. Si dernièrement, on a vu Wata vraiment présent au Kendaki Namatanga, on a vu les images, on ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce que après cette rencontre avec ce monsieur qui t'a dirigé aussi dans ta carrière musicale, vous avez gardé des bons liens, Tikala vraiment, Bosoyo Kanabi, un Tilelo. Donc, ils sont partis, et puis après, Sila Nango. Déjà, on n'a jamais eu de problème. Pour être vrai, on n'a jamais eu de problème. Je ne sais pas si peut-être vous êtes de la presse, vous êtes mieux documenté que moi, parce que vous voyez ce que moi je fais, et vous voyez tout ce que les autres font. Parce que moi, je ne vois pas tout ce que les autres font, ni une musique à maison mère, ni les autres groupes. Je vois quelque chose, je vois ce qui tombe sur moi, mais je ne vois pas tout. Je pense que vous allez comprendre que je n'ai jamais eu de problème avec eux. Et personnellement, peut-être indirectement, mais directement comme ça, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Et... Donc, la minute, il y en a vie, il y a un rabino, botine de la rabino, paie-moi WhatsApp, bon solo là, paie-moi bien. Là, ça sera tes mentir, ça sera tes mentir, ça sera tes mentir. Je suis en pleine préparation de mon album. J'ai pas encore eu le temps. Le vieux venait de sortir son album. Oui, c'est vrai. Promo. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup de temps aussi. Donc, attendons voir les après-confinement. La période post, on dit quoi? La période post-confinement. Après confinement. Voilà. Après, peut-être, on verra que je sorte mon album, que je suis vraiment concentré sur ça. Je suis très concentré sur ça. On n'a pas eu la chance de se voir. L'occasion nous a été donnée et on a profité, surtout moi. J'ai vu mon vieux, que ça faisait 5 ans que je n'avais pas vu. Vous savez, j'étais à un moment, j'étais victime des problèmes, des allégations où les gens disaient qu'on s'était croisé dans une boîte à Kinshasa, que j'avais même. J'étais une bouteille comme ça ou un verre à mon vieux. Et je l'avais lancé même une bouteille. Donc voilà, depuis mon départ, depuis 2015, j'ai jamais vu où est la sonde de mes yeux. Ni ce que les gens disaient là ou après. Voilà. Mais Dieu a fait grâce, on s'est vu. Il m'a bien accueilli. C'était un moment. C'était pas une très bonne occasion, il faut le reconnaître. C'était un deuil. Il venait de perdre une personne très chère, une personne très chère pour sa famille. Et il m'a bien reçu. Après, on n'a pas eu le temps. Normalement, je devais voir frère Patrice quelques jours après parce qu'il m'avait invité chez lui. On devait dîner ensemble, moi, frère Patrice et Bill Clinton. Mais on n'a pas eu le temps parce que après ça, il y a eu des mouvements. Je devais aller par-ci, par-là. Après, je suis venu en France 2 fois. Je devais être au Canada. Après, on devait être avec vous à Bruxelles, au camp des Scoula, dont je suis ambassadeur. Donc, on n'a pas eu le temps. J'ai trop bougé. Quand je serai posé à Kinshasa pour la promotion de mon album, je crois que je le verrai. Ok. Je vois que beaucoup de gens demandent à ce qu'on parle Lingala. Bon, on va un peu parler aussi Lingala. Après, ça sera difficile aussi pour les amis du Brésil, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Là, ça coupe, Ça sera difficile pour eux.
Donc voilà, Batwa Linga, là, il faut pas oublier qu'il y a aussi des étrangers qui sont dans le live, donc Héritier Watanabe est international. On Imagine, va essayer de mettre. Imagine, mon producteur est en train de suivre, qui va rien comprendre. Mais oui, c'est ça. Donc il faut tout ça, moi, Linga, là, moi, français, as artiste international, ce n'est pas que pour les Congolais. Donc c'est un peu pour tout le monde. Donc on est obligé de mixer les deux langues. Vraiment, on est désolé. On fera un autre live que pour les Congolais, mais ça se peut pas parce que c'est un artiste, on doit respecter. Mais ce mensonge s'en plaint déjà. Il vient de finir pas des lingas. Donc voilà. C'est vrai, maintenant, là, on a parlé de Wera et tout. Tu es passé maintenant en tant que leader. Est-ce que cette façon, il y a gérer toute une équipe tout seul? Comment tu le vis? Comment tu le vis, cette vie de leader? Hey, c'est pas facile. Je salue Fabregas qui vient de rentrer, Fabulous qui est rentré aussi. Donc voilà, il y a des artistes qui sont Gaz venus voir. Gaz Fabulous et le maestro Fabregas qui vient de rentrer aussi. Fabulous, à défaut. Attica, nous, les garçons, à prédilection, à défaut. Voilà, je salue Gaz Fabulous qui est un grand ami. Je salue Fabregas qui est un grand ami aussi. Notre maestro, donc notre maestro. Donc, dis-nous un peu comment cette vie de gérer toute une équipe Héritier Watanabe, ça fait quoi d'être leader? Ça fait quoi d'avoir autant de responsabilités? Tu gères comment ta vie de leader? Parce que tu as des coups de téléphone, des employés, c'est pas seulement des employés, ce sont des collègues, c'est toute une équipe. Et dans mon groupe, je dirais, j'ai déjà quelqu'un qui est là, qui est l'ami à mon grand frère, champion voile. Donc, les traitements que tu vas traiter champion voile ou comment tu vas traiter Miska, ça sera toujours différent. Francis Dibal, C'est difficile. C'est difficile. Parce qu'il y a les Daddy Moula, avec qui vous étiez déjà dans l'autre côté, ah oui, dans la maison. Il y a les Olivier, là. Tu ne vas pas traiter Olivier comme tu traites Plata, par exemple. Plata, c'est un petit à moi qui a vécu chez moi depuis des années, depuis 2003, comme ça, 2004. Et après, il était déjà animateur chez Dakoumouda, mon vieux Dakoumouda, qui est aujourd'hui pasteur Dakoumouda, pasteur Christian, Kimbukusu. Le grand frère même, à Étienne, qui me salue, Big up Étienne, Kimbukusu, mon ami, mon frère, depuis. Donc, vous verrez que il y a mille façons de traiter les gens avec qui tu travailles. Mais on a une relation de frères et sœurs. Parce qu'il y a, quand je dis sœur, je vois les danseuses, je Il y vois a des sœurs aussi, oui, bien Jacqueline, sûr. qui est notre unique chanteuse. Je crois que prochainement, Nick chanteur. dans le temps, on aura d'autres chanteuses. Mais pour le moment, on s'en contente. On s'est contente d'avoir Jack Lord. C'est pas facile. C'est pas facile. Rouvan d'abord, le bureau qui est Liz, vous n'avez pas ce boss, n'a pas ligne ou pas. Muska Benyoke, les femmes de mon boulot. Si. Côté de l'Olivier, on dit qu'il y a un Kangalina, le Nassau, un Kangalina, il a permis, il au rôle, écoute, tu te réveilles un jour, tu tombes sur 8 ou 10 problèmes comme ça qui demandent d'argent, qui demandent de moyens, qui demandent que tu t'y mettes. Parce que si tu n'es pas là pour eux, ils se disent que, on est seul, on n'est pas assisté. Les mecs, tout ce qu'ils pensent de nous, regarde comment ils nous traitent. Et après, tu sais, être dans ton propre groupe, dans ton propre orchestre, où il y a des petits clans qui se rebellent. Donc, pour ne pas tomber dans ça, on fait d'être comme des amis, comme des frères. Quand on a un problème, on se soutient. Parce que dire qu'il faut payer les musiciens chaque mois, c'est difficile. Imagine, on est en confinement comme ça, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de concert. Comment tu payes les artistes? C'est très difficile. Des fois, tu agis avec ton propre argent, même pas l'argent du groupe, avec ton propre argent. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Imagine. Okay. Je pense maintenant comment on préparait le concert de la Turquie, d'Istanbul. De la Turquie, le concert de la Turquie, on t'a vu. À la On semaine, t'a vu tout le temps, tout le temps. À la semaine où on devait partir, et c'est la semaine où on devait reporter les concerts, donc annuler le concert et reporter.
Donc, imagine l'état d'esprit des artistes. Ils s'attendaient à aller en Turquie, ils s'attendaient à gagner quelque chose là-bas. Bilamba, Bala, Bastaf, Si. Mandarose Labango, tous ils étaient motivés. Motivés, quand j'ai dit motivés, motivés à 1000%. Ils s'est donné Ouais. fou et subitement, pas reporté. Tu sais Ouais, comment ouais, ouais. l'état d'esprit des artistes, ça peut. Comment pas cause là. Donc, blessé comme ça, toi, tu vois, tu dois avoir la morale. Qu'on remonte dans le Non. moral, qu'on sort la bango, qu'on tel sabon qui vous a. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais Dieu En fait tout cas, tout. c'est pas facile, Et Watt. Mais Nzambe maintenant, sort, il y a la. Nzambe sort après ses charges, après ça, après la Ah. solution. Amen, amen. Voilà, héritier Watanabe, il y a une question que Nina Manouchka et Alpha Bissé ont posée. Pourquoi est-ce que tu as retiré le prince Babi? Pourquoi j'ai retiré le prince Babia? Ce terrain-là, Ouais. je ne voudrais pas trop rentrer là-dessus. Ok. C'est un terrain avec beaucoup de bêtises. Beaucoup de Ok. bêtises, beaucoup de bêtises. Je ne suis pas parfait. Je suis pas parfait. Mais vous verrez que depuis que j'ai commencé mon groupe, j'ai jamais révoqué quelqu'un. Jamais révoqué quelqu'un. Eux-mêmes, ceux-là qui sont partis, si j'étais dit, je suis bien avec eux. En Angola, Ok. il y a même pas 3 jours, les artistes qui ont quitté chez moi, qui étaient partis, moi, en Angola, m'ont appelé parce que je devais les assister, parce qu'un ami à moi devait les assister. Et voilà, j'ai répondu, j'ai imposé à ce qu'on les assiste. Parce que tu sais, mes amis, peut-être à un moment, on a dit, ah, yo, le monde, orchestre, on a sur un coup de aussi. Donc, je devais intervenir, j'ai intervenu. Après, voilà. Donc, c'est pas facile. Ok, on garde ça, tu as C'est assez pas répondu, facile je parce crois que, que tout est premièrement, normal. le prince Babia, c'est un bon Ah. chanteur. Pour être clair, c'est un Oui. bon chanteur. Il chante bien, il fait des efforts à bien danser, mais il ne gère pas sa vie seule. Ok. C'est un peu compliqué. Donc, Ouais. aujourd'hui, Je crois qu'on a compris un peu pour quelle langue déjà, on va y aller. un jour, si tu reçois Werason, tu lui poseras la question, combien de fois t'as vu la maman héritier? Combien de fois la maman héritier a parlé avec toi sur la carrière d'héritier? Combien de fois la maman d'héritier s'est plaint pour son fils? Le roi des OK. Afolos, je t'ai déjà la réponse, il te dira, j'ai vu la maman héritier qu'une seule fois. Et c'était OK. au début, quand j'ai pris héritier, je lui ai mis chez moi sans l'accord de sa famille. Oui. Elle était venue OK. chercher son fils. Et depuis ces jours-là, ils ne se sont plus jamais vus. Et je crois qu'ils se Oui. verront jamais, peut-être. Et s'ils se verront, ça sera Oh. dans un bon sens, ça sera dans un bon contexte. Mais maintenant, comme moi, je Ouais. gère mon groupe comme je le pense, comme je trouve mieux, et qu'il y a ingérence, ça pose problème. Ouais. Donc voilà. Ok. Héritier Watanabe, on a vu dernièrement, on a vu des vidéos où tu étais avec un Japonais. Est-ce qu'il est toujours là ou pas? Est-ce qu'on va voir encore des séances de Japonais dans ton nouvel album ou pas? Oui, il est avec nous, il est avec nous, il est avec nous. Je viens de parler avec lui je crois, il y a même pas 20 minutes. Ok. Si j'avais, je sais, je pouvais faire les captures d'écran, je pouvais te l'envoyer, mais je ne peux pas faire des captures d'écran en pleine émission comme ça, donc voilà, j'ai qu'un seul téléphone. Et il est avec nous. Seulement, Alvarito était venu nous assister, il était venu nous donner ce qu'il avait, ce qu'il pouvait, et il a joué. Il a très bien joué. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont assistés. Il y a beaucoup de gens qui nous ont assistés pour cet album parce que je voulais vraiment que l'album ait un niveau, Maintenant, cet un bon album. niveau. Voilà, cet album. Je salue Francis Dibaya que je viens de voir qui communique énormément chez toi. Cet album, on va parler de cet album. La sortie de cet album, Héritier Watanabe, d'abord, le contenu de cet album. Ozobombelabisonini, qu'est-ce qu'il y aura dans cet album? Cet album, c'est déjà un album purement rumba, premièrement. À part, Ouais. même s'il y aura des titres qui ne sont pas des rumba, mais c'est d'abord la base, c'est la rumba. J'ai cherché à développer mon niveau artistique. J'ai cherché à mieux faire que Onam Nassalati. J'ai eu à écouter mon album plusieurs fois, mon premier album, Retirada, carrière d'honneur. J'ai eu à écouter mes anciennes chansons dans le game musique à Maison Mère.
J'ai compris une chose. Premièrement, on a un problème de minutage. Les chansons sont trop longues. On a réglé ça. Dans l'album qui sort, le minutage correct, c'est 5 minutes. Les chansons Rumba sont maxi 5 minutes déjà. Et j'ai un peu modernisé la chose. Donc, pour moi, j'ai mis ce qui manquait. Et après, besoin de gens, moi, je ne sais pas. Pour moi, je ne dirais pas que c'est la perfection, mais sur le plan Rumba, on tendra vers la perfection. On va exceller. Mais, Héritier Watanabe, on est déjà, on a vu ce que tu as fait avec DDD, on a vu avec BM, on a vu avec tous tes sons-là. On est habitué à une certaine perfection dans tes voix. Est-ce que cette fois-ci, on aura des featurings? Est-ce que dans cet album, il y a des featurings quand même? Ouais, il y aura des featurings. Peut-être il y en aura peut-être un, deux ou trois. Dieu seul sait. Et on a déjà travaillé. Après, c'est Monsieur Monceau qui décide. Mais avec qui? Avec qui? Tu peux nous dire avec qui? Avec... Si Monsieur Monceau le permet. Je voulais d'abord un son dansant avec des Bordeaux, des Koufa. Et les restes que Monsieur Monceau ne voudra pas que j'ai les cite déjà avant. Peut-être que je vais parler d'un featuring que Monsieur Monceau peut-être ne voudra pas que ça sorte dans l'album, que ça sorte dans l'album, que ça sorte après comme un single. Donc, c'est Monsieur Monceau qui ajuste à la fin. C'est lui qui décide à la fin. Moi, je travaille. Je fixe la ligne, je travaille, je finis. Quand je finis, eux maintenant, comme ils sont de la matière aussi, et comme ils sont professionnels, ils savent maintenant avec la maison Obo Music et Because Music, sans oublier Big Black, ils travaillent ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va orienter la chose. Mais tu es à quel niveau maintenant? Tu es à quel niveau de cet album? Est-ce que tu tends vers la fin ou bien on peut ajouter encore des featurings? Parce que je vois beaucoup de gens qui demandent des featurings ici. Je vois Fabregas, je vois Willow, je vois Fally, je vois tous ces noms-là. Tout le monde demande si tu peux faire un jour des featurings avec tous ces artistes-là. Il n'y aurait pas eu confinement. J'allais déjà finir mon album. Déjà, on allait lancer l'affiche de l'album. Ok. Donc, il est prêt, fini, quoi. Mais... le confinement nous a tués, voilà, ça nous a compliqué la vie, donc bizarre. Et les featuring, en fait, les artistes que tu viens de citer, j'ai besoin de chanter avec les frères, surtout les gens comme les grandes personnes, des grands personnages comme le Via Willow, imagine chanter avec Via Willow, à Willow Longomba. C'est pas facile. Donc voilà, c'est dans mes rêves, c'est dans mes calculs. Mais après aussi, on doit voir le timing. Quand tu cherches quelqu'un, tu dois aussi comprendre que lui aussi l'a occupé. Par exemple, moi j'étais au Canada, dernièrement, à Montréal, je croyais que j'allais voir Fabregas. Mais en arrivant là-bas, boum, il est vers le Toronto là-bas, vers le Toronto. Après, il est aux États-Unis. Donc voilà, quand toi tu crois que c'est facile, quand les gens, les fans croient que c'est facile, c'est pas facile pour nous aussi. Donc, Mouninga, c'est un programme, Naïe. Et donc, il ne peut pas tout laisser juste pour te faire plaisir. Voilà, même si, même si les fonds ont fait des sacrifices. Donc, voilà. Calcule, Nanga. Wanana, ok, non, gauche, droite, cité. Si je chante avec Papa Chéri, ça sera une très bonne chose. Les gens me demandent pourquoi tu ne chantes pas avec Ferré? Pourquoi tu chantes pas avec Ferré? Parce que vous êtes proche, voilà. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, voilà, que tu adores. J'ai dit oui, je peux chanter avec Ferré. Demain, je peux même démarrer ma voiture, aller chez lui. Et si même on pense voir sa femme ou chez lui à Kinshasa, comme on a un balamoko, pour en parler, pour en discuter, même dans ma téléphone, parce qu'il y a des fois, on s'écrit. Mais j'ai peur d'une chose. La chanson Otoyemba. La chanson Otoyemba. Au cœur fidèle, tout est accordé. Tu m'as promis l'amour et pourtant tu m'as déçu. Je ne sais comment m'en sortir. Tu vois, quand j'écoute ça, quand je pense à ça, je me dis, mais ce qui n'a quoi m'en a fait, c'est bien. Mais Oana, est-ce que autre ça là, et Oana, level Oana, ça fait peur. Parce que
Si les lots, je pars en boîte, on me reçoit. Donc voilà. Maintenant, si je pense chanter par exemple avec mon VO Erasol, ma calcul, là, je vois, je vais chanter. Mais c'est la raison. Na beti demi tourna village natal. Mon toi me maquin la yawa de missionné. Na boye koti ka monte mananga. Et zanga responsable na kokoma klocha. Non, ta gueule, est-ce que ton koma la level en zembo? Toba, gye! Yo mon koza la ki moustikera papa. J'ai peur que zembo. Et comme on a level ou anaté. Donc, du coup, j'y réfléchis aussi. Hein. Quand on fait des trucs, on ne le fait pas hasardeusement. Hein. Oui. Non, non, c'est vrai. Voilà, c'est réfléchi. Vrai. Et après, maintenant, je me dis, papa chéri, ça sera un très grand coup. Un grand coup pour moi. Parce que si j'étais dit, sur les 100% de mes amis, 75% sont fans de papa chéri. Grave. Voilà. On dit qu'il y a des gens qui ont imposé ma masse à la tour qui est dans la douille. Ma fiche au wang, ma gueule en pète, ma dario mongondo, ma Daniel Massao, ma Bouba Diop, ma Bouba Diop, tu es dans ta quartier latin, ma Sidney Poitier, voilà. Au commun, mes musiques à maison merdine. Ils étaient compliqués. Mais je les ai convaincus. Tout y a nous bon non vous sentez pas maintenant puis John Modang ou Berve Mwanza ma petit basse les fils ma tiré Bouddha ma fils et tu basse ou ma tout tout bah rablent pas basse les tout maison mais ma maison Bumboka ouais bah ça y est ta maison mère donc voilà c'était partagé mais plus c'était ma fan à BCBG donc du coup chanter avec papa chéri oui les sentiments à ta sur sa tombe Roger Kala la Rosa non sur sa tombe, Roger Kalala, parce que les esprits, comme les âmes sont éternelles, bah, les esprits ne meurent jamais. Dis-toi, Roger Kalala, dans sa tombe, il n'y a pas de chérie binaire. Un mystique. Paix à son âme. Je viens de perdre quelqu'un voilà, qui représentait beaucoup. Aujourd'hui, on vient de m'apprendre avec un petit frère à moi, un petit. On a donc porté dans mon thème ma Blanchard. Pato est parti, maître Nanga Mourou a bon marché, maître Garde, maître Nanga a mouvement, donc maître Nanga Jido, Soussou, maître par rapport, il est parti. Donc les gens partent, mais au moni, Bayoki album, tu Nazo Talabé, il a un bagu chambou, il a un mouambou, il ka, il a Roger Kalala, Roger Kalala. Nazo Talabé, il a un mouambou, il a un mouambou, il a un mouambou. Ma soeur n'a pas mis vivre avant vous. Donc, du coup, nous avons raisonné. Tu comprends de ça, la featuring carte, parce que photo ça, la featuring. Mais, tu vois, la bande développée photo. Maman, vous avez bien, tout ça, il faut un album. On peut faire un truc avec ça, les gars, soit venu, on peut faire un album, on peut répéter, on peut temps. Bovan d'abord, on a répéter, on a dépliqué. J'ai dit, écoute, Azali, force à lui, à sa qui a force à déplu, Kosti. Et Zambé, à la piscine, que déplique Azali, à Batelli, à Tarnier. Peut-être après avoir bien matériel, moi, dépenser une bonne belle pour ça. Mais la vie est sacrée, donc voilà. Donc, je pense à beaucoup de choses. Nous avons d'abord, nous avons boulé pendant là. Robin, il y a un azana. Pour Robin, on a banzela, mais mon pas kenda. Imagine Robin, on a banzela, Robin, on a kenda. Tout petit pelo, on a banzela, kenda. Les filles doivent apporter à une carrière. Définitivement, tout ça, on ne voit pas la porte, tout ça, la cabo et tout ça, les cabo. Non. Dans mon album aussi, j'avais proposé au Vier et à Messi. De travailler avec lui. J'ai proposé le vieux Reddy, mais c'est qu'au temps il y avait via Zanawa boulot, payé Moko. Donc tant ils a passé. Ah ouais. Quand je. Bah tu vois, c'est belé. On a raisonné avec Balaban. T'as non, Baron Sonny. Oui, bah chanteur, bah ça. Bah tu veux, bah le Moko Sakoyemba. Baron Sonny. Depuis là, give a prom. Bah j'ai quoi bourron là. Pour clore, imagine que Watana bina namasana inosbi. Imagine. Souka. Inosbi. Bon, inosbi, si on a vraiment mon aïe, bandira pour moi, kende, comme il y a un mot compliqué. Inosbi, à qui tu n'as pas Nigeria, kuna wata, est-ce qu'on vous l'a dit? A commencé à appeler ma bé, lembisa. Héritier Watanabe, si tu dois, Héritier Watanabe, si tu dois regarder. Je sais pas si je suis tout le monde.
Donc, bon, je vois que beaucoup de gens répètent ici Fally, mais bon, je ne sais pas si tu peux dire un peu ça. Fally, pourquoi c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, parce que les gens peut-être, les gens peut-être, c'est quelqu'un que moi j'ai grandi à l'avenir Lubuzi. Et ça, l'avenir, moi, quand il a dit, à venir à Ndekonanga Jobel, avec ta guitare accompagnement chez eux, à la guitariste à elle. La venue sur le bousi, à venir mon rock ensemble, il y a Jobel, après à venir et lundi, il y a Bango Sundi. Donc, Tokoli, à venir mon rom de Kaboula Bissou. Donc, Bando et Bando, raisonnez que Bando a 6 ans à Ibaraï, Bando a 9 ans à Ibaraï, Bando a 12 ans à Ibaraï. Donc, c'est quelqu'un que je connais beaucoup. N'a pas de chance, il y a eu un bané déjà pour moi. N'a pas de trop, il y a trop, il y a trop, peut-être, non, on a bête à ma solo, on a été, tout y a eu trop pour moi. Ce qui est un bateau, bah, personne n'a pas de goût à Ouyemba. Et bon, bato ba pesanga bua koyemba, bato ba simbisanga micro, eza bango, baza trois personnes. Eza li, Selin Fumu, ya Kibinda, Selin Kibinda. Ouais. Eza na Dolly Hiroshima, Dolly Mavinda. Ya ya masananga yi fiston sa isai, na Fally Ipupu. Donc, baza, baza yina groupe na bango, Nouvelle Alliance Kibinda koyi. Na mande ya koyemba na bango. Et dans le groupe, y avait aussi ba fila ba sele. Donc, bato... bah on est mon faut tirer bateau va canisser ma maman bango donc voilà basa bateau on a naïbi bien peut-être mon maman on peut trop ça maman on a pas brutalité trop ça maman brutalement faut trop ça la maman comme Dieu veut que ça se déroule ça marche ouais. ça se passe ouais. Donc voilà ceux qui ont un projet en Zambie et ça mais ceux qui nous ont magité ce matin voilà c'est Watanabe. Je ne peux pas faire cette interview avec toi sans passer par ce sujet-là parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, mais aujourd'hui, on a la chance, on t'a tout en face. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose de mis en Midemo? Parce que mon art, dans mon art, ils appellent mis en Midemo. Oh, négligeant qui wana est bête à mort. Oh, celle-là, il m'a ramounion soana et simbi pété. Imagine. Imagine, Siko. Non, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça veut dire que l'œuvre est aussi écoutée aux à la parfaite. Donc, et ça l'a vu que au sali, au sali, oh, on a beau moukili. Mais moukili est bise au tête, surtout l'île à ce rôle. Imagine quand je sortais mon album. Oui, BBM, la bimsa qui on va le voir dans mes cas. Ah bon? Kota Zali n'a vu qu'il y a en Bruxelles. Bernadette Massengou Mouillard. Bernadette Massengou Mouillard. Bisous. Mamouette. Ah. Voilà. Tant la bimsa qui en haut. Et là, bon, n'a testé dans le bateau. Est-ce que Congo est condamné pour Oza ou maman a pêché en roi, tchatcho, a pêché en roi, le colombo, a bits moi, dit banana, mélangé, bilou, on a quel roi, bilou, montez ma passe, n'a pêché en roi, bateau. Mélange, on attend, et quand on a battu. Or, on a quitté qui est au salon, quand il y a un album, tant aux autres tâtonnés, dans le candé, il y a un seul album, tout en noir et à aussi à la carton. Et bien, il y a un album qui est à étouffer tout. Il y a un album qui est à l'album. Elle est une grande zoto. Fiatre, il y a un son en zoto, il y a un de bien malaria, t'es fouta. Plein de larmes dans mes yeux. J'aurais inauguré mon méchima. J'ai senti quelque chose nouveau et transfiguré tout mon corps. Comme Jésus en pleine foule santé et disait qu'il m'a touché. Ma coquille a bombardé, qui l'a bolingo passé. Et n'y a si n'aïe, courant zotonina et kosana. Et bande la bolingo y'a machin trouble humain. Elle est une anzoto. N'aïe, maman Jezane nana. Mama blessing, Mama Victoria, ya mwene, Rachel Futa, amour me boya salite, Nexi kakali titi na kati, yose ambonge kome mango, atababe kisi nganalanda, Mama na jizon,
Asolo la kakitoko. Tout ce qu'on a. Est-ce qu'on voyait des cœurs héritiers Watanabe si vous avez aimé de nouveau Bazo Senango, Hervé Mwanza, Luc aussi. Wapi fololo rosa, ah fololo. Pesanga fololo kayote, ah fololo. La promesse est une dette, ah fololo. Bololo kongo bololo tiki na motema. Obi kana manoro imatia kongo bololo avant kubaba kesi sa coronavirus. Bololo kongo bololo tiki na motema et pourtant la kakinga fololo. Pili pili bolingwezo swata na ningezo dimisanga miyoyo. Tozala kiso ki tozole kananzela bato bazo bete la biso milolo. Na komiso ki naole kanga moko. Ba wololo fioto na dongo la ngaye sonye. Ba wolo la fioto na dongo la ngaye sonye. Ba seki ngaye. La kayote kabika. On dirait bien y'a qui n'a l'élo vraiment et coquillé. Entre tiens d'amour n'a 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 sa n'a qu'à chaque jour. Ocho n'a n'a, ocho dine n'a, ocho n'a n'a. On néglige n'a vraiment. O sabote n'a qu'à yoye. J'ai contemplé ta beauté, je suis rempli de joie. Bakolo, voilà ton robot, il va peigner. En tout cas, merci, Héritier Watanabe. Je salue le groupe WhatsApp Solo Lama Solo Layo. Avec le président. Président John Moutamou. Oh, Congo Lipanda. Congo Lipanda. Si tu es pas là, Congo. Jimmy Achuki Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Congo. Congo Lipanda. Asali Libango. Congo Lipanda. Peningali. Pona kuyeba historia Congo.